So yeah, I know the whole world is falling in love with Fred. He's a tricky one to introduce because he's that talented and that charming and that lovely. It was like trying to take the like very fleeting moments. And I do not ever have to be who I used to be. Like trying to like expose as much beauty as is in them. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler musique. Et surtout d'un gars qui, seul, dans son appart, pendant le confinement, va créer sa légende et devenir l'un des artistes les plus écoutés. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Fred Again. Avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui, Fred Gibson, un gamin londonien ordinaire, se rend toutes les semaines chez son voisin qui tient un groupe de musique. Et son voisin, c'est lui. When I first met him, I was 16. And he was my one point of reference in terms of how big producers are. Véritable coup du hasard, Fred habite juste à côté d'un compositeur de renom, Brian Eno. Brian Eno, c'est tout simplement l'inventeur d'un nouveau genre de musique dans les années 70, l'ambiance. Alors pour beaucoup de personnes, je sais, c'est inconcevable d'écouter une musique sans parole. Mais j'ai toujours pensé qu'une musique sans parole, que ça soit de l'ambiance, de la musique électronique ou autre, était tout aussi intéressante, voire plus intéressante, car en fait, c'est à ton esprit et à ton imagination de combler ce manque-là. Les choses que t'as vécues, ou tes rêves que t'as envie d'aller chercher. C'est un peu comme lire un livre en fait. Tu as le texte, mais c'est à toi d'agencer le décor en fonction des détails que l'on te donne. Ouais, le barbu qui a l'air de sortir des années 60 juste là, c'est bien Fred, qui après 5 ans auprès de son mentor, Brian Eno, gagne sa confiance grâce à son talent. You know, when I first worked with Fred, I could see he was brilliant. It's very clear, he's a very, very sensitive and good artist. I'm swimming, because I was like, every time I see Brian, he just comes sprinting. L'alchimie est telle entre les deux hommes que le doyen invite Fred à coproduire son nouveau projet, Someday World, alors qu'il n'a que 20 ans. Fred n'est pas encore prêt à composer en son nom, alors Brian lui ouvre son carnet d'adresses. Ouais, c'est lui qui est derrière ça. Et en l'espace de 5 ans, Fred se cache derrière des tubes qu'on connaît tous. Et de gros artistes qui ont marqué l'industrie. En Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé. Aujourd'hui, pour la première fois, de nouveaux cas sont annoncés. C'est du jamais vu. Des millions d'habitants placés en quarantaine. Les autorités chinoises. Here we've had to lose our space. We've lost the hugs with friends and people we loved. We've lost dancing. We've lost dancing. My guy, what's he gonna say? We gonna make it through all the way. No stopping us now. What you gonna do? After a few years, there was a feeling that there was something like I needed to make that I wasn't. I want you to see me, Fred. I'm here all day, all night. We've lost dancing. We're gonna make it through all the way. No, really obsessed with was like trying to take the
the like very fleeting moments and like trying to we're gonna make it through like expose as much beauty as is in them. You know how sometimes if you see something in a normal thing and you see it in slow-mo, it's like, oh wow, there's a whole new emotional framing for it. Durant le confinement, en mars 2020, la quarantaine bloque Fred chez lui. Il peut difficilement retravailler avec les artistes. L'occasion pour creuser encore un peu plus sa vision artistique. I didn't really understand a lot of what he was doing. It took me quite a while to think, oh my gosh, this is really a new idea about how you can make music. Sa façon de faire de la musique, c'est un cocktail de plusieurs éléments. D'abord, le plus évident pour un DJ, le sampling. Apparu au grand public dans les années 80, le sampling consiste à récupérer un court échantillon d'un morceau pour le réutiliser, en le retravaillant à sa manière. D'énormes tubes ont été composés après un sampling. Ces échantillons, ce n'est pas sur les vieux vinyles que Fred veut les récupérer. Il sait qu'aujourd'hui, ce qui nous lie le plus, c'est bien les écrans. Fred, what's your name, sir? We've lost dancing. Le morceau qu'il a composé avec la voix de son ami DJ, Maria, devient, pendant le confinement, l'hymne des jeunes fans de musique électronique, chez eux, frustrés, essayant tant bien que mal de ne pas perdre leur danse. If I can live through this next six months, day by day, if I can live through this, what comes next? Est un succès instantané et résonne dans tous les clubs d'Europe puis du monde. A platinum record, my yeah. God. Yeah. Fred, if you're listening, thanks for making me get on the phone and talk to you. All of us. This man is extraordinarily talented across the board. Sold out US tour, sold out European tour. Coachella, smashed it. Whoa! Le deuxième ingrédient du cocktail, c'est évidemment celui-là. Ce truc, c'est une MPC, Music Production Center. Une machine qui connaît son premier succès dans les années 90, qui séduit grandement les DJ de par sa facilité d'utilisation et surtout grâce à ses grosses touches qui, à la moindre pression, émettront le son de notre choix. Do you know what I mean? Don't stop, don't stop. Keep going, keep going. Ouais, bon, quand j'ai vu ça, j'étais un peu comme Zane Lowe, j'avais pas trop de mots. Et j'en ai encore moins quand je vois qu'ils sont obligés d'être à 3 pour éviter que tout le matos explose. Mais la MPC, c'est bien ici qu'il va totalement l'enflammer, au Boiler Room. Le Boiler Room, c'est un concept créé à Londres où des artistes underground viennent mixer dans un club, et ce, en live sur Internet. Au fil du temps, des artistes plus connus ont mixé au Boiler Room, comme Laurent Garnier, Kate Ranada, ou encore Breakbot. Mais la prestation de Fred éclipse tout.
elle est aujourd'hui la troisième la plus visionnée de la chaîne, avec 37 millions de vues en 2 ans, et on comprend pourquoi. Dernier ingrédient qu'il n'hésite pas à venir rajouter, c'est tout simplement sa voix. Enregistré évidemment au micro le plus souvent, mais il n'hésitera pas à faire au plus simple. He's often recording on his phone, and he's often recording in quite noisy places. Et d'ailleurs, depuis le début de la vidéo, j'enregistre toute ma voix comme ça à l'iPhone. Et je pense que je vais continuer. C'est avec tous ces éléments que Fred conçoit son univers, son premier album, Actual Life, comme son nom le sous-entend, devient le journal intime de sa propre vie. I found you beautiful. Fred voyage à travers ses notes vocales, ses visios ou des vidéos qu'il trouve sur les réseaux sociaux. En 2 ans, 3 projets Actual Life et 3 selfies. Alors qu'on cherche souvent à fuir la réalité, Fred, lui, cherche à nous y faire replonger. Delilah, what is good, my love? I hope you are blessed. I wanted to hit you up because I have made a thing. Touch me, talk to me, pull me out of this place. Freelance, lost keys, do you know what you're doing to me? Pull me out of this. Sampling some of the lines from yours and Benji's stunning song, Lost Keys. Yeah, it's Fred. Actually, it's a video, that's fine. I cannot believe this is real. Doesn't feel real at all. I'm gonna be playing my first ever live show. Pull me out of this.
après n'avoir été que dans l'ombre des autres, Fred s'est totalement envolé. Il a réussi à faire ce qu'il voulait depuis le début, réunir les gens. He's really good. Au point où ses concerts, et pour y avoir été, c'est vrai, deviennent comme un endroit où flotte le vivre ensemble. Où l'émotion contenue en chacun de nous se met à sortir au rythme de la musique. Alors Fred se sent obligé de partager la sortie de son troisième Actual Life avec tout le monde. Et ça va mettre un peu le bazar, faut dire ce qui est. Il leur donne rendez-vous à Hyde Park à Londres pour danser. Le succès de l'album est retentissant, avec ses morceaux au titre éponyme comme toujours, Delilah et Daniel comme véritable anthème. Puis des tourbillons mélancoliques comme Clara, Bleu, ou encore Bear Wine. Le succès est instantané et propulse Fred dans la cour des grands. And the Grammy goes to Actual Life 3, Fred again. Mais après tout ça, il manque peut-être un petit quelque chose pour boucler la boucle. So I learned a lot from him. It's a two-way relationship, you know. I mean, I'm very flattered to be called a mentor. I think of Fred as my mentor as well. I started listening to music differently when I watched how Fred was making it. Vous vous en doutez, mais ouais, vraiment, je vous le conseille. Je sais que tout le monde n'est pas forcément habitué à ce type de musique, mais il faut juste trouver un moment spécial pour l'écouter. Par exemple, je me suis promené la nuit pour faire des photos avec Secret Life dans les oreilles et c'est vraiment une expérience. Ou je sais pas, vous pouvez l'écouter dans l'avion ou pour vous endormir. C'est juste un classique. Bref, on arrive vers la fin. Prenez cette vidéo tout bonnement comme une lettre d'amour à un artiste qui m'a tout simplement changé et qui a mis finalement un son sur un tas d'émotions à l'intérieur de moi. Pour ce qui sera de la suite, Fred va juste confirmer l'essai avec des singles qu'on hyper tourné. Son nouvel album 10 Days sort le 6 septembre. Il y a des chances d'ailleurs qu'il soit déjà sorti au moment où vous regarderez cette vidéo, mais je peux vous assurer que je serai dans un état pas possible à la sortie. J'espère que dans tous les cas, je vous ai fait passer un bon moment musical. Cette fois, ça change un peu. Et que surtout, qui que vous soyez, n'oubliez pas. My guy, what's he gonna say? We gonna make it through.